Et on se retrouve pour un début d'orage. Pour l'instant, un orage assez étrange. Avec un arcus, on peut y voir, qui longe. Et puis là, il y a eu un coup de tonnerre pas très loin. J'y aurais pas cru. Je viens de le rater, je suis un petit peu dégoûté. Sachant que ça se trouve, j'ai... Enfin, l'orage, j'ai un net sur nous, quoi, en fait. Ah là là, c'est incroyable. 13e orage de l'année, peut-être. On verra bien. Oh putain! Ça, c'est le signe qu'il faut pas rester dehors du tout là. Là, faut rentrer là. Faut pas rester dehors. Il fait lourd là en plus. Hein. On a eu 25 degrés, 26 degrés même. Localement, hein, il y a eu 26 à contre. Bon, moi, sous l'abri, j'ai eu 28 à cause des tuiles qui chauffent, mais sinon, on a 25-26. Hein. Et on a ressenti un humidex assez élevé, très lourd, 28, 29 degrés localement. Ok, ça flash là, c'est parti. OMG. Je crois qu'on va avoir un orage modéré. Alors là, les mecs, regardez cette aspiration. Elle est de plus en plus forte. L'arcus va nous toucher le sol carrément. Et je crois que je vais me décaler, les impacts se font à tour en solen sud là. Wouah! Regardez-moi ça quoi. Énorme. L'arcus est né sur nous presque. Et là, il est en train de exploser sur nous. Je sais pas quoi faire. Oh! Impact à 300 mètres! Ça n'arrête plus de flasher, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais c'est quoi ce truc de taré? Et je crois qu'on va se prendre un truc énorme. Je vais filmer le côté est. Re. Incroyable. Incroyable ce qui se passe là. C'est en train de exploser sur nous là. Wow.
crois qu'il va même pas falloir faire un montage. Oh là 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 là, la pluie et tout là. Regardez les flashs. Incroyable. Wow. Ça tombe des cordes. Ouais, et le vent aussi. Ouh là là. Incroyable. Regardez ça. Il va peut-être y avoir de la grêle. D'accord, là le vent. Regardez le vent ici là. Ouh là 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 là. Ouh là là, les flashs. Orage fort là. Là, c'est clairement clair. Wow. L'Arcus et les tonneaux, voilà, ils sont mal. Hein. Wow. Vous avez eu ça un peu? Ça n'arrête pas de tomber. Des quantités d'eau incroyables. Wow. Oh le vent. Oh là là. Oh là là, c'est orage. Alors là, ça mérite presque la vigilance là. Quand c'est doux. Wow. Oh la vache. Incroyable. Regardez ça. Purée. Et on voit plus rien tellement qu'il pleut. On voit même plus les arbres en face. Oh là 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 là. Oh la vache, la rue complètement inondée. Regardez ça, un peu le vent et tout là. Waouh. Orage presque violent là. Ça c'est un orage, ça. Ça c'est un vrai orage. Oh putain. Ça tombe pas loin là. Brouillard, brouillard de pluie. Ça, je crois que c'est les impacts proches vont arriver. Waouh. Oh putain, la vache. J'ai jamais vu ça. Mais non, mais la route, là, je l'ai jamais vu inondée comme ça. Waouh. Oh là là. Regardez ça un peu. Le vent vient du nord. Alors que l'orage vient de l'ouest. Oh putain, les bourrasques. Je crois que là on est à 80 km/h. Entre 60 et 80. Wow. Oh putain, les flashs, mais ils sont au-dessus là. Ouais, je crois que la grêle arrive. Regardez ça. C'est inondé. La route est inondée. Il y a de l'eau à la moitié de la route. Et ça n'arrête plus de flasher. Je crois qu'on va avoir des inondations là. Oh la vache.
Alors là, c'est chapeau. Il est plus fort que celui de la semaine dernière. Ouh. Ah, ça fait du bien de l'air frais, purée. Fait une chaleur forte. Putain, ce qu'on s'est pris, quoi. L'Arcus est né, genre, à 25 km. Et voilà, le travail, on s'est pris au moins 20 mm d'eau, là, je crois. Il pleut moins. Il pleut moins, il y a moins de vent. Est-ce qu'il va y avoir d'autres... Ouf. Putain, la vache. Je le sens mal, là, l'impact. Hein. Il y a eu des joints de foudroyés à Paris, donc faut être très prudent. Hein. C'est pour ça qu'en tant de chasseur d'orage et puis même de passionné d'orage, il faut être extrêmement vigilant sous un orage. Bien hein. Entendu, la foudre, elle est attirée par les points les plus hauts, mais pas forcément. Pas forcément les points les plus hauts. Oh, les bourrasques, ça recommence. Deuxième round. Putain. C'est quoi cette bourrasque venue de nulle part, là? Wow. Alors là, c'est un monstre, cet orage. C'est des bombes, les impacts. Mais alors là, par contre, l'impact sur l'église, j'en veux pas, non. Désolé. Non, non, non. S'il vous plaît. La nature est vraiment incroyable. Mais qu'est-ce qu'on se prend à la figure, là? Ouf. La vache, cette puissance. Pluie battante à nouveau. Je crois que j'ai un peu le même style que l'orage de notre ami Raphaël qui se situe à Nantes. Il disait que apparemment ça tombait des cordes et à 50 mètres il n'y avait rien. Ça fait exactement pareil, c'est les bourrasques de vent qui font ça. Regardez comment ça me longe dessus. Vous avez vu ça un peu? La cellule me longe. Oh purée. Il y a eu un sursaut de courant. Je crois que la grêle arrive là. Très grosse goutte. Énorme. Oh purée la vache. Ça commence à s'éclaircir côté sud là. Mais oh. Oh la vache. Ces gouttes d'eau énormes. Oh la vache. Mais comment j'ai pris chez... Oh putain. Je le sens mal.
Ça tonne par là. Oh! Ah ouais, d'accord. Oh la vache. L'orage de taré. Oh la vache, m'a fait... What? Mais vous avez vu ça? Cette base là? C'est très étrange. Ça pète pas loin en fait là. Ça pète sur nous en fait là. C'est pas fini. Oh! Oh putain! Ok, ok. Oh, oh la frayeur qui m'a fait l'impact là. Ah, c'est pas du tout l'orage que j'ai eu la semaine dernière, lui. Hein. Piou. Bon, ça peut tomber très proche en fait. Là, vous avez vu? Peut-être bien 400-500 mètres là. Peut-être plus. Ça tombe proche. L'orage n'est pas du tout terminé. Au contraire, l'impact à 400 mètres là, il n'est pas du tout terminé. Oh! Ouais, je crois qu'il y a de la grêle. Je crois qu'il y a de la grêle là. Non, il n'est pas du tout fini, regardez. C'est un bout de l'orage de bois qui arrive. Oh purée, mais on va morfler là encore. C'est l'orage de bois qui nous arrive dessus. Oh putain. C'est pas vrai. Je crois que si. Il est toujours là. Il est toujours là, l'orage. Oh la vache. Ouais, d'accord. Alors là, je sens que ça va fermer. Là, il pleut plus, c'est une bonne chose. Du coup, on peut voir les impacts. Wow, ça flash par là. Hein. Ça flash au-dessus ou quoi encore? Putain, ça pète par là en fait. Oh, oh, ça flash au-dessus.
profitez bien de cette journée incroyable. Vraiment, alors là, ce que j'ai eu, mais j'ai pas mieux à dire. Voilà, excellent. En un mot. Voilà, je vous souhaite, allez, une bonne soirée et une bonne chasse aux orages.